school is here what? Sam or Wiffle Ul is here what? Mita. Une histoire vraie. L'histoire d'un homme abominable qui ne parvint jamais à étancher sa soif de sang humain. La mythologie autour des loups, l'idée que le loup soit une créature que l'on doit respecter et craindre, apparaît déjà dans la Bible. Le grec Hérodote, premier historien reconnu, et le romain Ovide Publius mentionnaient déjà le loup dans leurs écrits. Mais il a fallu attendre la parution de cet ouvrage à la fin du XVIe siècle pour avoir une véritable référence aux histoires de loups-garous telles que nous les connaissons aujourd'hui. Cet être abject, à l'âme d'un tyran et à la cruauté sans égale, ne vivait que pour assouvir ses pulsions. Son esprit malin avait emprise sur les hommes, les femmes et les enfants du village de Bedburg. Un village comme celui de Bedburg ne comptait que quelques centaines d'habitants. Les gens à cette époque menaient une existence tout à fait précaire. Leur vie était rude, rythmée par la nature, étroitement liée à la forêt. La plupart survivaient plus qu'autre chose. Les uns coupant du bois, les autres gardant les moutons. C'était plutôt une époque sans foi ni loi, dans le sens où il n'existait pas de force de l'ordre, pas d'état unitaire. Un endroit comme Bedburg connaissait une paix et une sécurité toutes relatives. Un peu plus de 200 ans avant cela, la peste noire avait anéanti le tiers de la population européenne. Cette dépopulation avait entraîné le retour des forêts profondes et denses, et avec le retour de ces forêts ancestrales, étaient remontées à la surface les peurs ancestrales. C'est dans ces forêts que l'on craignait le plus les loups. C'est dans un endroit pareil que vit le loup du Petit Chaperon Rouge, que le loup qui menace le gentil coupeur de bois a trouvé tanière. Toutes les histoires que vous pouvez lire dans les contes et légendes des frères Grimm trouvent leur inspiration dans ces forêts. Island Drontic, Island Drontic.
moi. La disparition inexpliquée d'enfants inquiétait. Certes, la mort d'enfants était très répandue. Le taux de mortalité infantile dépassait souvent les 50% dans certaines régions. Il était donc normal de voir des enfants mourir, mais pas de les voir disparaître dans des conditions mystérieuses. De fait, lorsque ces histoires de disparition ont commencé à se répandre, les gens ont été terrifiés. Cela n'avait aucun sens. Évidemment, ces disparitions s'inscrivaient parfaitement dans le contexte des attaques de loups. Dans ce village de Bedburg, encore à peine civilisé, situé en bordure de forêt, le loup apparaissait comme l'ennemi évident. Les villageois tentèrent de capturer la bête, secondés par de grands chiens robustes, dogues allemands. La chasse était ouverte pour que la bête meure. Dès que ces faits tant inexplicables qu'horribles se produisirent, les villageois se lancèrent à la traque au loup, ou du moins à la bête. Évidemment, nul ne pouvait se douter que ce qu'ils cherchaient se trouvait parmi eux. Les villageois ne retrouvèrent que les bras et les jambes des enfants dépecés. S'ajouta à leur grande douleur un terrible sentiment d'horreur. Non seulement ces enfants avaient été tués, mais également démembrés. C'était insupportable. Qui pouvait tuer des enfants de la sorte, de pauvres enfants innocents? C'était incompréhensible. Vous savez, depuis toujours, si les gens ne comprennent pas quelque chose, l'être humain a besoin de comprendre les choses. Il pense qu'il est suffisamment doué de raison pour comprendre tout ce qui l'entoure. Alors, lorsqu'il lui arrive de ne pas comprendre, il se dit que c'est sans doute surnaturel. Même le plus diabolique de tous les sorciers, le plus abominable qui n'ait jamais vécu, ne pouvait être comparé à celui qui avait commis pareille horreur. Une telle cruauté, une telle sauvagerie, faisait de cette chose le fils abject et ignoble du démon. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster. Au cours de ce XVIe siècle, nous assistons à la naissance d'une nouvelle vague religieuse, un bouleversement de grande ampleur qui met l'accent sur les miracles, sur le caractère contre-nature, l'idée que Satan lui-même pourrait enfreindre les lois de la nature pour punir l'homme de ses péchés. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. 200 ans plus tôt, il était considéré comme hérétique de croire en ces histoires de sorciers. Mais désormais, l'Église faisait monter la pression, brûlait les sorcières. Les gens étaient prêts à recevoir des explications d'ordre surnaturel. Et en l'absence d'explications rationnelles, la population sombrait facilement dans l'irrationnel. Oui, cela devait arriver. À espionner ces jeunes filles jouant ensemble,
Cela réveillait la bête qui était en lui. Et tandis que les autres fuyaient à grandes enjambées, il s'assurait d'en attraper au moins une. Ensuite, une fois sa vile besogne accomplie, il ne tardait pas à lui ôter la vie. Très tôt a germé l'idée qu'il pouvait s'agir d'une bête. Mais lorsque les gens ont constaté qu'il y avait eu abus sexuel ou acte sexuel, est apparue une autre hypothèse, celle d'une bête qui agissait comme un être humain. D'où le fait qu'il puisse s'agir d'un être mi-homme, mi-bête. Et cet homme animal pouvait être un loup-garou. Les gens ne croyaient pourtant pas au loup-garou. Mais quelle autre explication pouvait-il donner? Celui qui avait fait une chose pareille pouvait très bien être à la fois homme et animal. Devant les faits, cela n'avait rien d'insensé que de parler d'une telle créature. C'était une explication rationnelle. Domini non sum dignus ut intres sub. L'idée que le tueur pouvait être parmi eux, fasse partie de leur communauté, était si affreuse qu'ils ne pouvaient l'accepter. Corpus Domini Jesu Christi, custodiat animam meam in vitam aeternum. Amen. Cela venait bouleverser leur image du chrétien convenable, vivant une vie décente. Ils ont dû projeter leur peur sur autre chose, sur une créature diabolique. Corpus Domini Jesu Christi, custodiat animam meam in vitam aeternum. Les gens aiment à penser que les pédophiles sont des monstres à deux faces, qu'ils sont facilement identifiables parce qu'ils ne sont pas comme nous, les gens normaux. Ce n'est malheureusement pas le cas. Certains présentent très bien. Ils peuvent être convaincants, charmants. Oui, en un sens, ils peuvent être attirants. Ce sont de grands manipulateurs. Ils mentent très bien et jouent le jeu des apparences. Les gens plongent sans se méfier. Ils restent souvent insoupçonnables pendant très longtemps. Stube Peter. Qui a habité toute sa vie, qui est même né et a grandi, dans le village de Bedburg. Il avait une très jolie fille qui portait le nom de Bill Stubbe. Sa beauté et sa grâce faisaient l'unanimité parmi tous ceux qui la connaissaient. Le premier fruit de ses ébats était son fils, dont il tirait tant de fierté,
qu'il le surnommait fréquemment sa joie de vivre. De ce que nous en savons, Peter Stube était apprécié de tous. C'était un citoyen respecté, sa famille était connue depuis plusieurs générations, ses parents et ses grands-parents avaient vécu dans le même village, sa place dans cette société était bien établie. En surface, c'était un personnage bien lisse, un homme tout à fait normal, un villageois respectable, mais en réalité, il était quelqu'un ou quelque chose de bien différent. Avec sa fille, il se livrait au plus inconcevable, au plus lubrique et au plus cruel des incestes qui soient. Une telle aberration, pareille abjection, ne pouvait que mener son âme dans les feux de l'enfer. De nos jours encore, nous imaginons sans peine cet étranger, caché dans les buissons, une cagoule sur la tête, prêt à kidnapper notre enfant. Mais il faut savoir que la majorité des abus, et de loin, proviennent de gens que nous connaissons. Prenons un exemple plus récent, celui de Joseph Fritzl en Autriche. Une aberration absolue. Ce qu'il a fait est totalement inconcevable. Si inconcevable que personne, non, personne ne se doutait de quoi que ce soit. Il en a été de même dans ce petit village allemand. La population a refusé de croire qu'une chose aussi répugnante puisse arriver au sein même de la communauté, ou dans la maison du voisin d'à côté. Les habitants de Bedburg se sont sentis alors si menacés qu'ils ne voyageaient plus qu'avec un arsenal digne de ce nom. Ayant toujours au ventre la peur de ce féroce et sanglant animal. Si l'un des hommes ou l'une des femmes de ce village perdait soudain de vue son enfant, il perdait aussitôt l'espoir de le revoir un jour en vie. La plupart du temps, Stube cheminait dans les rues du village sous un aspect convenable, ayant l'apparence d'un homme tout à fait normal. Et très courtoisement, il venait saluer les parents des enfants qu'il avait massacrés peu de temps auparavant.
Nous savons, d'après cette brochure médiévale, que les recherches avaient été poussées pour retrouver cet être humain à moitié animal. Mais ça ne veut pas dire pour autant que certains villageois n'avaient pas quelques soupçons à l'égard d'un des leurs, dans leur village même. Les tueurs en série se font souvent piéger parce qu'on les a vus au mauvais endroit ou au mauvais moment. C'est une réelle menace pour eux. C'est un problème et ils doivent y remédier. Et pour eux, qui sont déjà plutôt antisociaux, totalement antisocial même dans le cas de Peter Stube, puisqu'il a des relations incestueuses, qu'il connaît un dysfonctionnement familial grave, pour eux donc, il est tout à fait logique de tuer ceux qui se mettent en travers de leur route. C'est une étape logique et nécessaire. Et c'est ainsi que ce loup cruel et avide vit ces deux hommes et cette jeune femme qu'il envisagea aussitôt de massacrer. Très astucieusement, il se tapit dans les bois hors de leur vue. Et dès qu'il les entendit approcher, il appela l'un d'eux par son nom. Le trio supposa qu'il s'agissait d'un de leurs proches ou amis, et celui qu'il avait appelé par son nom s'éloigna des deux autres pour s'en aller voir qu'il avait ainsi apostrophé. Pendant ce temps, les deux autres attendirent patiemment son retour. Mais comme il ne réapparaissait guère, le second homme laissa la femme sur place pour s'enquérir de ce qu'était devenu le premier. La femme, ne voyant revenir aucun des deux, commença à se demander si le diable ne s'en était pas mêlé. Et réunissant toute l'énergie nécessaire, elle se mit en tête de courir pour son salut. Les deux hommes, l'on retrouva les corps affreusement mutilés. Mais le corps de la femme, lui, ne fut jamais retrouvé. Car dans son cas, la bête ne l'avait pas seulement tué, mais l'avait aussi dévoré. De sa chair, il avait fait un véritable festin, la trouvant tendre et tout à son goût. Les villageois peaufinaient chaque jour un peu plus leur dessein. Avec cette volonté farouche de capturer le monstre, les prières quotidiennes allaient, elles aussi, bon train. Qui implorait Dieu de les délivrer une bonne fois pour toutes de la menace du loup. Et bien qu'ils aient mis en œuvre tous les moyens dont ils disposaient pour traquer et capturer la bête, nul ne pouvait dire quand prendrait fin cette maudite traque.
Ce qui devait arriver arriva. Le destin joua un mauvais tour à celui que le sort avait déjà condamné. Avait pris tant de plaisir à commettre ses crimes, tant de joie à perpétrer ses abominations, qu'il ne s'était écoulé un seul jour sans que soit versé le sang de pauvres innocents dont il avait oublié jusqu'au nom. Il entraîna son fils bien-aimé dans les champs, puis de là, dans la forêt. Là, Peter Stube prétexta quelques besoins naturels impérieux. Le plaisir qu'il prenait à tuer avait surpassé ce jour-là la fierté que lui procurait son fils. Sous l'apparence et les attitudes d'un loup, il tua sauvagement son propre fils. La chose faite, il extirpa de ses mains le cerveau de la tête de son pauvre enfant et le dévora, tel un plat des plus raffinés. Il se délecta de ce mets délicieux et assouvit ainsi son féroce appétit. Le plus effroyable des actes jamais commis de la main d'un être humain. Jamais la nature n'avait engendré pareil dégénéré. Peter Stube avait une forte inclination à faire le mal. Il était plutôt doué dans la pratique des arts maudits. Le malin, qui est toujours prêt à entendre les aspirations d'une pauvre âme damnée, avait promis d'assouvir tout ce que désirait le cœur de la bête. Ainsi, le démon donna à cet homme l'apparence d'un loup sanguinaire et monstrueusement féroce. La brochure insiste sur un point extrêmement étrange, qui nous semble bien difficile à croire. C'est l'idée que cet homme aurait commis ses crimes sous l'apparence d'un loup. Il y a une nombre d'explications à cela, mais la première de ces explications est sans doute d'ordre psychologique. La lycanthropie clinique est une maladie psychiatrique où le patient croit se transformer. En l'occurrence en loup, mais également en tout autre type d'animal par extension. Ce nom de lycanthropie clinique est directement tiré de la légende du loup-garou. Nous parlons là de personnes qui se prennent assurément pour Wolverine, qui se déplacent à quatre pattes, qui peuvent grogner et aboyer.
Le cas de Peter Stube est tout à fait typique. Il semblerait qu'il ait cru dur comme fer, qu'il était une bête, un loup, et il se comportait comme tel. Il s'en prenait toujours au plus faible. Il dévorait ses victimes comme un animal. C'est déjà plus rare chez un être humain. On a vu qu'il leur suçait même le sang. C'est une façon de procéder qui, d'une certaine manière, le rapprochait encore de l'animal qu'il croyait être. Je crois que c'était un moyen pour lui de se convaincre qu'il était bien un loup. Il est important de noter une chose particulièrement étrange qui met en avant l'immense pouvoir de Dieu et sa toute grande miséricorde. Le loup ne put transpercer le col du manteau de l'enfant. Renforcé pour l'occasion par une pièce de métal qui venait enserrer son cou. Tel Dieu qui livra Goliath aux mains de David, la bête tomba ainsi entre celles des chasseurs. Cependant, de l'apparence du loup, il n'avait plus rien. C'est bien sous la forme d'un homme, sa véritable apparence, qu'il fut capturé. C'est bien là le moment clé de cette histoire de loup-garou, de ce récit. Tous ceux qui le traquaient l'auraient vu se transformer. Car sans ça, plus de loup-garou. Est-ce vraiment ce qu'ils ont vu dans la pénombre de cette forêt? Peut-être poursuivaient-ils un véritable loup et sont tombés sur Stube? Qui sait? Peut-être. Mais ils ont vu ce qu'ils croyaient être un loup revenu à sa forme humaine. Tout cela donnait un sens à tous ces faits surnaturels. Toute leur peur convergeait désormais vers cet homme qui tremblait à leurs pieds. Ce Peter Stube était désormais à leur merci. Ainsi,
à peine appréhendé. Il fut sans ménagement mis aux arrêts dans le village de Bedburg et soumis à la torture, il confessa sans plus attendre toutes les horreurs qu'il avait commises. Peter Stube a confessé tous ses crimes à ce que l'on sait. Il a donné tous les détails à propos de son inceste, du meurtre de son fils, ses actes de cannibalisme, enfin tout ce que les villageois n'avaient pas pu voir. On dit que sa confession a été faite de son plein gré. En cette fin de 16e siècle, on peut en douter. En fait, à chaque interrogatoire, les instruments de torture devaient être mis en évidence. L'une des tortures les plus répandues était de vous attacher bras et jambes et de vous écarteler. Et lorsqu'on vous préparait, entre guillemets, à cet interrogatoire, il s'agissait surtout de vous faire ressentir les possibilités de cet instrument. Vous n'étiez certes pas démembré, mais ce qu'on vous faisait subir s'apparentait pas mal à de la torture. Un loup ? Nous savons très bien que ce n'était pas un loup. Mais le fait d'y croire semblait arranger tout le monde. On a dit qu'il avait avoué. Bon, nous n'en serons jamais certains. Mais il est vraisemblable que ça arrangerait tout le monde qu'il ait un côté bestial, animal. Il est plus facile pour les gens, lorsque des choses horribles comme celles-ci ont lieu, d'imaginer que l'homme qui a fait cela est un monstre, le diable, mais en aucun cas comme nous. Peter Stube fut d'abord condamné à être fermement attaché sur l'une de ses roues. Puis, avec des pinces chauffées à blanc, on arracha ses chairs si soigneusement qu'il ne lui resta que les os. À la suite de quoi, ses jambes et ses bras furent broyés à coups de hache. Son supplice prit fin lorsqu'il fut décapité. S'il était vraiment un loup-garou, les villageois ne voulaient pas qu'il revienne et recommence ses atrocités. Donc ils devaient le tuer selon un rite bien précis, lui broyer les membres et le décapiter. Tout cela était nécessaire pour qu'il ne revienne pas les hanter en tant que bête. Sa mise à mort fut vraiment atroce. La façon dont ils l'ont tué était aussi horrible que les crimes qu'il avait commis. Les témoins de cette scène ont eu leur dose d'hémoglobine. C'est très bien exprimé dans cette histoire de loup-garou. Ils ont été galvanisés par cette histoire. Ils en ont eu littéralement pour leur compte de viande fraîche. En faisant ça, ils ont relégué en cet homme tous leurs péchés et s'en sont purgés. C'est la preuve que ce terrible épisode de leur vie est terminé. Les villageois n'ont plus à avoir peur de la bête qui se trouvait parmi eux, en eux. Vint ensuite le tour de sa fille. Elle fut condamnée à être brûlée et réduite en cendres. Engeance du malin, finissant aux côtés de la carcasse d'une monstrueuse créature nommée Peter Stube. Toute la famille de Stube était contaminée par le démon, et toute cette famille maudite devait disparaître avec lui. Ils devaient purger leur village, leur communauté de ces démons. Laisser un seul membre en vie, c'était risquer de voir ressurgir ces atroces événements. Ah!
voilà, cher lecteur, voici comment s'achève la véritable histoire de cet homme démoniaque, Peter Stubbe. J'aimerais que ceci soit un avertissement à tous les sorciers et sorcières qui, au mépris de la vie, ne pensent qu'à suivre leur imagination diabolique, tout en causant la ruine et la destruction de leurs âmes corrompues. La communauté cherchait un loup-garou, elle a trouvé Peter Stubbe. Et cela arrangeait tout le monde, y compris Peter lui-même, qu'il fut bien un loup-garou. Il n'est pas vraiment rassurant de penser que dans ce cas, comme en général, l'homme peut se conduire comme une véritable bête, comme un loup vis-à-vis de lui-même. C'est un homme qui a commis ces crimes. Le loup, le vrai, ne commet pas de viol. Ne se livre pas au cannibalisme. Jamais ils ne tueraient comme l'a fait Stubbe dans cette histoire. Si cela les arrangeait tant de croire en ce loup-garou, c'est parce que cela les soulageait d'une hantise, celle de se rendre compte que la plus monstrueuse des bêtes, c'est l'homme lui-même.